Eh bien, salut à tous les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Farming Simulator 2013 pour vous faire une annonce rencontre abonnée. Donc je vais un petit peu vous expliquer comment ça va se dérouler et tout ça par la suite. Donc voilà, donc ce sera déjà en premier lieu. Ce que je trouve bien de dire, c'est que ce sera en sur la map, en tout cas, Land of Italy avec des mods. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas 500 modes, il y en aura 5, 6, 7, 8 peut-être, mais il n'y en aura pas des dizaines, ne vous inquiétez pas, et je ferai un pack mode. Donc voilà. Donc comment faire un petit peu pour participer à cette rencontre abonnée, et quand est-ce que ce sera exactement? J'ai un petit peu vous expliquer tout ça, toutes les conditions. Donc ce sera le vendredi 29 août. Dans l'après-midi. Donc dans l'après-midi, exactement quand, ça je ne saurais pas dire, ça plus ou moins dans l'après-midi, hein, maintenant, ce sera, on va dire que ce sera entre 13, aux alentours de 13, 14, enfin en 13 et 15 heures, quoi, la rencontre abonnée. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour participer et qu'est-ce qu'il faut avoir? Donc je vais pas mettre de limite d'âge, parce que tout simplement ça sert un peu à rien en tout cas, du moment que vous êtes sérieux et que vous jouez correctement, franchement je n'ai pas de limite d'âge. Maintenant, s'il vous plaît, soyez sérieux. Si c'est pour commencer à gueuler un petit peu dans tous les sens, moi, je banne, tout simplement. Je bannirai de la rencontre abonnée. Donc, il faut vraiment que vous soyez un minimum sérieux. Maintenant, un petit peu rigoler comme ça, je ne dis pas, mais vraiment, restez quand même sérieux pour la petite rencontre abonnée qui va arriver. Donc, voilà. Donc, vous allez m'envoyer un petit email, donc, tout simplement à l'adresse qui est en train de s'afficher juste en bas de l'écran. Pour le moment, vous envoyez à cette adresse email, donc olivier9879@gmail.com. Vous envoyez votre candidature à cette adresse email là. Donc, qu'est-ce qu'il faut envoyer exactement? Eh bien, vous envoyez votre. Enfin, vous dites bonjour, le simulateur belge, j'aimerais bien participer à ta rencontre abonnée du vendredi 29 août. Et voilà, donc vous mettez par exemple, vous mettez votre raison qui vous pousse à participer, un petit peu, voilà quoi. Vous faites un petit discours, quelque sorte, vous dites oh, les animateurs belges, j'aimerais bien participer à ta rencontre abonnée parce que ou parce que. Et vous donnez votre Skype, aussi très très intéressant, parce qu'il est très très important, parce qu'il faut avoir Skype pour cette rencontre abonnée. Donc vous mettez votre Skype, vous mettez un petit peu votre petite lettre en quelque sorte de motivation. Et avec tous les emails que j'aurai eu, je sélectionnerai quelques personnes. Donc je sélectionnerai 16, puisque le serveur est de maximum 16 places. Donc je sélectionnerai 16 personnes et je les appellerai sur Skype. Donc il faut absolument avoir Skype puisque vous en aurez besoin. Donc, si vous n'avez pas Skype, ça ne sert à rien, et surtout avoir un micro, hein, parce que si vous n'avez pas de micro, ça ne sert strictement à rien d'avoir Skype et pas de micro. Voilà, donc il faut avoir un Skype et savoir parler, enfin, en tout cas savoir, en tout cas qu'on vous entende sur Skype. Voilà. Tout simplement. Donc maintenant, après avoir fait tout ça, vous téléchargez le pack de mode où il y aura la map et 2-3 modes. Donc je vais un petit peu vous montrer pour ceux qui ne sauraient pas faire comment extraire, enfin pour ceux qui ne sauraient pas comment extraire des modes, je vais l'expliquer en fin de vidéo. Comme ça vous serez au courant, parce qu'on a certaines personnes qui ne savent pas toujours extraire des modes, alors je préfère leur expliquer comme ça pour ne pas faire de favoritisme quoi envers des personnes qui savent le faire ou pas, parce que j'aimerais franchement que ce soit vraiment tout type de personnes qui puissent participer à la rencontre abonnée. Donc en tout cas ça c'est pour la petite rencontre abonnée. Je pense que j'ai rien oublié de dire. Ce sera sur cette map-ci avec 2-3 modes qui seront en pack. Et ou sinon, je pense que j'ai un petit peu tout dit par rapport à rencontre abonnée de ce vendredi 29 août. Donc je récapitule, envoyez un email avec votre petite lettre de motivation.
vous envoyez votre Skype, hein, comme ça je vais vous contacter après en vous sélectionnant et vous téléchargez le pack mode, comme ça vous aurez tout ce qu'il vous faut pour le jour de la rencontre. Donc évidemment il faut être disponible, parce que si vous savez que vous n'allez pas être disponible le vendredi 29 en après-midi, ben ça sert à rien de commencer à participer ou à vouloir participer, parce que voilà quoi. Maintenant vous allez très bien savoir qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va pouvoir participer. Il n'y en a que 16 par rapport à 4000, 16 c'est très peu. Mais j'essaierai quand même de faire souvent des petites rencontres abonnés à partir de maintenant, comme ça pour vraiment que tous les abonnés aient sa chance. Parce que si je commence à faire une rencontre abonnée tous les ans, tous les 6 mois, eh ben, on ne sait pas nécessairement être libre le jour où je fais la rencontre, on ne sait pas nécessairement être là. Voilà. Donc ça c'était pour la première chose, pour la rencontre abonnée. Maintenant j'aimerais bien vous faire parvenir une deuxième chose. Donc j'ai décidé de créer ma team, donc la team du Simulateur Belge, ou LSB tout simplement. Donc je me suis dit pourquoi pas créer cette team pour que je sois beaucoup plus à l'aise à tourner, parce que quand je tourne j'appelle un peu des personnes à la One Again, où j'utilise, enfin voilà quoi. Donc franchement j'aimerais vraiment bien créer ma team. Donc ça je ferai une vidéo explicative plus tard pour un petit peu expliquer comment vous inscrire à la team tout simplement. Donc là évidemment je vais mettre une limite d'âge, hein, parce que voilà, mais ça j'expliquerai un petit peu comment faire tout simplement. Voilà. Donc sur ce les amis, j'espère que la petite rencontre abonnée vous fera plaisir. Donc si vous avez une question ou quoi, ben, n'hésitez pas à me l'envoyer, enfin à me la mettre sur l'email ou à me la mettre en commentaire de la vidéo. Et tout simplement, donc voilà, tout simplement c'est tout ce que j'avais à dire. Donc maintenant il y a la petite vidéo de comment extraire un mode qui va juste arriver maintenant. Et sur ce, je vous dis à la prochaine les amis. Ciao tout le monde, c'était le Simulateur Belge. Donc voilà comment faire pour télécharger le pack mode. Donc vous voyez ici un lien, vous cliquez sur le lien, ça ou dans une autre fenêtre, vous voyez ici mode rencontre abo LSB. Vous appuyez sur download, vous téléchargez, vous faites enregistrer. Moi je vais pas l'enregistrer parce que je l'ai déjà. Vous faites enregistrer dans vos modes. Et puis vous allez dans votre dossier, vous mettez document, un game Farming Simulator 2013 mode, et vous aurez votre pack. Vous l'ouvrez avec WinRAR, donc forcément il faut WinRAR, donc vous tapez WinRAR, hein, c'est écrit comme ceci, hein, WinRAR, pour avoir le pack de mode. Ensuite, vous aurez tous ces modes-ci, vous sélectionnez tout, prenez tout, et vous faites glisser vers vos modes, tout simplement. Vous attendez, et ça vous extrait le tout, vous avez tout. Ici ça vous pouvez le supprimer, et puis ici vous avez tous vos modes. Donc voilà les amis, donc sur ce c'était le Simulateur Belge, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et ciao les amis, à la prochaine.